Je m'appelle Quentin Dujardin, je suis guitariste, compositeur et je voyage énormément avec mon instrument qui est la guitare. Et je produis des projets musicaux forcément, qui sont vraiment des projets qui me tiennent à cœur. Et le projet que nous venons présenter ici dans le cadre de La Torche s'intitule Résonance. Alors ce que j'ai trouvé tout de suite d'inspirant dans l'idée de participer à l'événement de La Torche, c'est qu'en fait il fait revivre réellement une dimension importante. Qui est sans doute oublié de beaucoup de gens, c'est-à-dire le patrimoine. C'est quelque chose qui, nous, en tant que musiciens, nous occupe beaucoup, parce que le patrimoine est aussi un espace sonore différent des salles de concert, différent des festivals que nous côtoyons. Et tout à coup, ces édifices, comme ici aujourd'hui à Mont-Devant-Sassé, sont des édifices absolument incroyables, qui résonnent magnifiquement pour la musique que l'on compose. Et c'est pour moi en tout cas une dimension et une expérience qu'il faut absolument parvenir à pérenniser, en tout cas à protéger pour le futur. Alors c'est aussi l'idée, je pense, qui est inhérente à La Torche, c'est l'idée aussi que ces édifices sont ouverts à tout public. C'est l'idée qu'on peut se réapproprier ces édifices, on peut les transformer, on peut les imaginer comme des édifices vivants, et pas seulement religieux, mais aussi ouvert aux non-religieux, pour vivre des expériences, qu'elles soient sonores, puisque moi je suis musicien, et donc l'architecture sonore de ces lieux m'intéresse très fortement. Et donc c'est cette dimension de partage, cette dimension de rencontre, et je dirais que le message qui, moi, me porte plus loin avec la musique, c'est forcément la rencontre, le voyage, et tout ce que ça procure comme plaisir et comme joie de découverte pour la suite.